Salut à tous, c'est Nifex8 et l'heure est grave. Nous sommes sur City Skylines, nous perdons 5000 habitants par semaine. Autant vous dire que ça devient juste catastrophique là, il faudra vraiment agir mais extrêmement rapidement. Autrement, nous avons notre tank, c'est lequel le dirait, moi ça, moins 4700 habitants par semaine, le truc est totalement abusé. C'est de la pure folie, tout le monde est en train de mourir, du reste, il n'y a même pas assez de... passer de personnes pour récupérer les morts, c'est du grand n'importe quoi. Nous avons un papy boom totalement explosif, et d'ailleurs au niveau des statistiques, vous voyez, c'est la mort, c'est terrible, tout le monde est en train de mourir. Attends, est-ce qu'on voit au niveau de la mort, est-ce qu'on peut voir ça, natalité, mortalité, tiens, est-ce que la, la mortalité de fou furieux, on est passé d'une mortalité de 600 à une mortalité de 1600, mais le truc tellement abusé, parce que donc ce qui s'est passé en fait, c'est apparemment les habitants vivent durant à peu près 5 ans, d'ailleurs si on regarde au niveau de l'affluence, justement, il y a 5 ans en arrière, a priori, effectivement, depuis 5 ans, on est à peu près en 2040, c'est là qu'on a eu une explosion d'habitants, et du coup, forcément, bah, du coup, il y a une explosion de la mort, ce qui est un petit peu gênant. D'ailleurs, on voit bien oh, tous les morts, le truc qui veut rien dire. Mais nous n'allons pas nous laisser faire, les amis, nous allons battre. Ce qu'on va faire, c'est construire des méga quartiers résidentiels pour faire venir toujours plus de monde. Et d'ailleurs, au passage, juste ça, il faut le bloquer absolument, demande maximale, ça, c'est clair et net, autrement, on ne s'en sortirait pas. Fin. Et vas-y, pose-moi de la demande là aussi, et ça à moitié. Toujours cette magnifique petite voix sexy, d'enrhumée, qui ne veut pas passer. Peut-être qu'un jour, je récupérerai ma voix qui sèche. Je commence un petit peu à désespérer. Donc ce qu'on va faire, c'est me faire des méga quartiers. Tu veux un quartier de... Eh d'accord, je vais péter un plomb là, je vais faire un truc de psychopathe. Tu veux vraiment des habitants? Pas de soucis, on va s'arranger. Tu vas voir, je vais me faire un méga quartier ici, ça va résoudre les problèmes, il n'y aura plus aucun souci. Je vais avoir 500 000 habitants qui vont arriver d'un coup. Vas-y, on met en pause et c'est parti les amis. On va se construire le quartier que tout être humain a rêvé de voir un jour venir face à lui. Ce quartier, il sera ici et maintenant. Donc on va faire ça. On va faire ça. Tu veux un quartier résidentiel, tu vas l'avoir, tu vas voir. Je vais t'apprendre un peu le respect. Par contre, on va quand même essayer de pas faire de la merde quand même. Se concentrer un tant soit peu. Et pour ce faire, donc là on va faire du droit, on va faire le méga abusé. Bah, quoi que, est-ce qu'on fait de l'abusé ou pas? Ouais, non, quand même, essayer de faire un truc un peu joli. Pas non plus exagérer trop. Parce qu'au niveau des places, j'avais pas des modes qui permettaient justement d'avoir. Ah, je sais plus si j'avais ça. Parce qu'il y a des modes, il me semble, qui permettent justement d'avoir des tracés déjà faits. Ouais, je ne sais plus. C'est vrai que j'avais ça quelque part. Mais je ne sais plus comment ça fonctionne. Donc c'est pas grave. On va le faire ça à l'ancienne, on va le faire à la mof. Comme des vrais, les amis. Nous, on n'a pas peur. La première chose à faire, c'est d'étendre un petit peu au niveau de l'autoroute ici. Idéalement, ce que j'aurais bien fait, c'est de tirer en fait l'autoroute par là, tout bêtement. Histoire qu'elle fasse le tour, ouais, je pense que ça peut être une bonne solution. Enfin, tout simplement, faut juste réussir à la faire passer par là. Bah, écoute, ça va pas être compliqué. Ça va pas être bien, bien compliqué. Je vais me faire faire le méga tournant. Voilà, comme ça. Enfin, comme ça, tout le monde y est content, tout le monde il est heureux. Tu passes genre par ici. Ah, ça va quand même très loin. Enfin, ça va quand même sacrément loin. Peut-être pas non plus trop exagéré. Je pense pas non plus qu'on va aller jusque là-bas. Bon, déjà, si on peut me tourner ici, ça serait parfait. Enfin, peut-être un petit passage au-dessus. Ah bah de même pas peur. Voilà. Et tu redescends. Enfin. Je te remercie. Donc l'autre route qui passe par là. Et tu vas tout simplement rejoindre ça. Celle-ci, il faudrait qu'elle parte. Bah écoute, tu vas me faire genre ça. Et après on verra bien comment on fait. Donc ça, c'est fait. On fait la même chose dans l'autre sens. Et on sera pas trop mal, écoutez. On a déjà un bon début de partie. Histoire de faire rentrer tout le monde par ici. Ah, donc là, l'autoroute est reliée de ce côté. Ça nous fait un méga gros truc. On va peut-être juste s'améliorer par ici comme un petit... Ouais, quoi qu'on s'en fout. On s'en fout, les amis, l'autoroute est valide. Juste maintenant connecter tout ça pour que ça puisse se jouer. Voilà, donc ici c'est connecté, on va faire un petit croisement un peu à l'arrache. Mais qui est valide. On fait la même chose de l'autre côté, comme ça on sera plutôt pas mal. Bah écoutez, je fais exactement la même chose, ça me paraît pas trop mal, on va continuer comme ça. Et... Oh non, je me suis trompé d'autoroute, dis-moi pas ça. Ah, je me suis planté d'autoroute, j'ai pas mis la silencieuse. Non, je vais devoir tout améliorer. Parce que c'est une silencieuse. Non, c'est pas une silencieuse. Ah, quelle boulette. Quel... Bon, au pire, on mettra que vers les zones résidentielles, tout le monde n'y a pas besoin autrement. Enfin, ce n'est pas trop grave. Voilà, c'est également connecté. C'est parfait, les amis. Donc maintenant, on a vraiment un nouveau quartier par ici qui pourrait être bien connecté à tout ça. Est-ce qu'on mettra encore une autre autoroute? Non, je pense que c'est bon quand même. Faut pas non plus exagérer. Ça fait quand même pas mal de zones. En fait, là, l'idée, c'est de créer plutôt des quartiers de bureaux au centre. Genre vers le centre, on ferait toute une zone de bureaux et tout autour, on mettra après le reste. Et je pense que ça peut le faire comme ça. Du moins, je l'espère. Après niveau taille, on va voir exactement ce qui pourrait être le plus intéressant. Ah, c'est vrai que c'est quand même vachement pratique, je dis jamais ce truc. Mais c'est vrai que... Bon, là j'ai un petit peu foiré mon cercle. Il est peut-être un petit peu grand même. J'ai en train de me dire, attends, montre-moi par rapport au quartier ici. Ouais, quoique non. Quoique non, franchement, il est pas si mal. Il est pas tout à fait circulaire, on va dire, mais ce n'est pas grave. Et du coup, on peut... Tiens, exactement, on va faire comme ça. Et du coup, on va tirer une autre avenue tout autour. Ah, c'est pas mal. Il y a l'idée. C'est absolument pas très droit, mais c'est valide. C'est totalement valide, à part peut-être ça qui déconne un petit peu. Voilà, juste comme ça.
Et du coup, comme ça, on peut faire des cercles, c'est pas mal du tout. J'aime bien l'idée. Donc là, ça serait le résidentiel, là, ça serait le bureau. Et voir peut-être... Ah, peut-être pas non plus exagéré, quoique... Ouais, non, je pense que ça me paraît quand même déjà vachement grand. Par ici, on va quand même faire du commercial, bien entendu. Du petit commercial, genre tu me fais une petite route comme ça. Est-ce qu'il y a moyen, enfin... Non, il veut pas partir. Il ne veut pas, enfin... Genre, est-ce que tu peux... Ah, il a juste pas à tourner, fin. C'est un petit peu trop violent pour les voitures. Au pire, tu me fais ça comme ça. À l'ancienne. Voilà. On mettra une zone ici. Et puis là, on va carrément agrandir. On est des fous, les amis. On est des gros malades. On a peur de rien. Voilà. Donc là, on a plusieurs zones qui sont faites, avec des grosses avenues. Ce qui est, ma foi, pas trop mal. Après, on va connecter tout ça. Et là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ouais, quoique, si je réussissais à partir comme ça, genre tu passes le long du fleuve, ça peut le faire. Ça peut carrément le faire. Une route qui longerait comme ça... Non, ça n'a pas un grand intérêt. Plutôt partir comme ça, passer au-dessus, puis se connecter là-bas. Je pense que c'est une bonne solution, au fond. Par contre, je pense que j'ai été ouais, un petit peu trop audacieux, là. Enfin, j'ai un petit peu galéré pour faire passer, mais c'est fait. T'as plus qu'à redescendre après ça. Ce sera parfait. Alors par contre, là, du coup, on va créer un bon gros rond-point. Ouais, genre, on ne viendra pas ici, puis on créera le rond-point. Parce que là, ça va être un peu le bordel. Genre, un bon gros rond-point à l'ancienne, juste là. Attends, comment on va faire ça? Tac, un ici. C'est vrai qu'il faudra quand même faire plusieurs ronds-points. Ça pourrait être un plus. On fera également un passage par là. Donc, genre, un rond-point qui se connectera théoriquement. Enfin, est-ce qu'il devrait se connecter? S'il passe par ici. Ouais, au pire. Ouais, je suis pas très fan, mais au pire, on peut le faire par ici. Et là, on aura aussi la sortie d'autoroute. Donc, on pourrait presque se permettre de faire un petit rond-point par là. Ouais, j'ai cassé tout ça. Et comme ça, ça va tout connecter par ici. Ils ont directement la sortie. Ces gens qui arriveront par là pourront directement sortir là. Ah, ça va être monstrueux. Ça va être un quartier, mais tellement abusé. Genre, on va imposer le respect. Vous voulez mourir, ce n'est pas grave. On fera venir 5 fois plus de gens à la maison. Bon, écoutez, du coup, il n'y a plus qu'à connecter tout ça le mieux possible. On va essayer de pas faire n'importe quoi. Tac, histoire que ce soit un tant soit peu joli. Mais là, je pense que ça va le faire. Si avec tout ça, ils réussissent pas à se connecter, enfin, à s'agrandir, je veux dire, je sais pas ce qu'il leur faut. Parce que là, franchement, on a un max de trucs bien comme il faut. Mais j'adore cet outil. J'utilisais jamais, mais en fait, c'est vraiment génial. Tu peux faire des belles formes. Bon, là, j'ai fait un peu à l'arrache. Mais si tu travailles vraiment le truc, tu peux vraiment faire des trucs super jolis. Beaucoup plus facilement qu'avec les angles que j'utilise d'habitude. Et par contre, la grande question, c'est pour connecter ça à là. Waouh, ça va être chaud. Ça va être chaud qu'il y a 3 passages. Donc, faut quand même essayer de faire ça le plus juste possible. Et je pense qu'il y a moyen. Enfin, on va essayer de réfléchir le mieux possible. Voilà, qui est connecté. Donc là, normalement, ils ont accès à peu près à tout. Ceux qui arrivent de là, fin, peuvent partir là ou par ici. Ceux qui arrivent de là peuvent partir là, fin, ou ici faire le tour. Ici, la même chose, ils peuvent descendre par ici. Et enfin, ceux qui partent là, on s'en contrefou. Ils peuvent y partir de toute façon... Non, ils ne peuvent pas partir, en fait. Non, parce que ceux qui arrivent, arrivent par là. Donc, ils ne pourront pas accéder à ça. C'est juste. Ah si, j'ai fait le passage là. C'est juste. J'ai fait le passage ici, donc oui, ils peuvent. Juste là, regardez, tac, il y a le petit passage pour venir ici et partir par là. Donc, c'est tout bon. Ça me paraît pas mal du tout, tout ça. Heureusement que j'ai pas mal d'argent, parce que je pense que ça va me coûter une petite fortune tout ça, mais bon, on est là pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est de connecter maintenant les différents cercles par ici. Comment on pourra faire ça? Je pense qu'il limite faudrait tirer, genre, le problème c'est que là ça va couper, non c'est mauvaise idée. Mauvaise idée, quoique, comment on aurait pu faire ça? Pour que ce soit relié sans créer des bouchons? Ah ouais, au pire comme ça, genre tu me les relierais par là. C'est vrai que là il faudrait presque mettre des ronds-points, parce que j'ai peur que ce soit un petit peu le bordel. En même temps, il n'y aura pas forcément beaucoup de circulation. Donc non, je pense que si on fait simplement des passages comme ça, ça doit le faire. J'espère en tout cas. C'est vrai que vu que c'est pas, ce sera pas là, ça sera des bureaux, puis des habitations, il n'y a pas trop de circulant en principe. Donc c'est pas censé être un problème. Bon bah écoutez, du coup, on a notre petite zone qui est immensément grande, mais qui va être plutôt bien. J'ai presque envie de faire le gars totalement abusé. Et puis genre, qui se barre carrément là-bas. Oups, parti un petit peu trop loin. Je repartirai comme ça. Ouah, c'est pas mal. Juste modifier là. Sauf que c'est un petit peu plus doux. Voilà, comme ça c'est parfait. Et là on commence à avoir une zone tellement gigantesque. D'ailleurs limite on a presque pu connecter tout ça. C'est vrai que j'ai presque pu continuer à avancer ça jusque là. Mais bon, on verra après. Enfin, on verra après. Là je pense qu'on a déjà pas mal de choses à faire. Et c'est au niveau habitation. Là je mets en pause parce que je veux pas que ça avance. Parce que je perds tellement de gens. Ouais, au pire je suis à moins 700. Je pourrais presque... Ouais non. Je vais laisser en pause un petit peu. Parce qu'autrement ça va être le bordel les amis. Bon, mais écoutez, maintenant le plus gros du travail, ça va être simplement de remplir tout ça. Je pense que je vais m'amuser. Je vais y aller en mode à l'arrache. Je vais pas trop optimiser tout ça, parce que sinon je vais mettre 3 milliards d'années. On va essayer de faire le mieux possible, et puis ça ira très bien. Enfin, là, j'ai déjà bien avancé, autant vous dire que ça prend du temps. Mais en utilisant ça, c'est quand même vachement plus rapide. La route en forme libre, tout ici, tout là, j'ai utilisé ça, c'est quand même vachement plus rapide que comme je faisais à l'ancienne, justement avec les courbes. C'est beaucoup plus simple. Et franchement, c'est immense. Alors là, s'il n'y a pas 25 milliards d'habitants qui viennent, je sais pas ce qu'il leur faut. Oh, tout le monde meurt, c'est n'importe quoi. Mais on va se battre, les amis, on se battra jusqu'à la fin. Donc plus que l'euro central, et puis on sera plutôt bien. Enfin,
Voilà qui est fait. Waouh, c'est monstrueux. Donc on va essayer de se concentrer le mieux possible, ça va pas faire n'importe quoi. Mais dans l'idée, donc on va prendre nos bureaux. Bureau, par contre, pour tracer ça, je vais m'amuser. Genre limite, il faudrait faire que ça. Ouais, le problème, c'est que c'est pas très précis. Ce n'est pas très précis. Bon, bah écoutez, on va le faire à l'ancienne. On va essayer de faire ça le mieux possible. Le mieux possible, faut le dire vite. Je crois que c'est un petit peu n'importe quoi. Pour zoner. Limite, j'aurais dû peut-être faire d'abord les routes du milieu, zoner, puis après passer la suite. Parce que c'est vrai que là, je vais me galérer. Mais bon, on va y arriver. J'ai confiance. Voilà qui est fait. Donc là, on a un beau quartier central d'affaires. Je pense pas le faire comme ça, parce qu'il n'y a pas trop de circulation. Donc les bureaux centres pour être du travail, tout autour, on va faire plein de résidences. Et sur les extérieurs, on mettra quelques petites zones commerciales, ça puisse quand même aller faire leurs courses. Ce qui peut être plutôt bien. Fin. Donc zone résidentielle, on a dit. À la limite, je vais faire tout ça, cette zone résidentielle. Peut-être un petit quartier, un quartier de commercial, peut-être un peu de quartier commercial là. Je pense peut-être créer plusieurs petites zones, faut voir. Parce que ici on avait mis comment? On a vraiment mis ça au centre, plutôt ça. Ouais, faut voir, on va faire différemment. On va faire ça de façon... L'important c'est que le commerce soit vraiment sur l'extérieur, pour niveau circulation. Pas que ça pose trop de problèmes, mais je pense que ça va le faire. Bah du reste, en fait, on va faire comme ça, en mode gros. Alors là, ça va être le mode bourrin. Je vais bien dire ça, mais alors là, pour le coup, ça va vraiment être ça. Boah, voilà, de la résidence. Vous en vouliez, la voici. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste, bref? Alors je pense... Limite le commerce, j'ai envie de faire une grosse zone commerciale là. Et puis que tout le monde vienne ici, puis tout le reste c'est que de la... Oh oui, on va faire ça. On va faire ça les amis. Genre, tac, ça c'est que du résidentiel. Boum. Oh le truc de fou quoi. Tu continues par ici. Tac, ici c'est aussi ça. On va juste essayer de pas trop se planter. Bon là c'est un petit peu en mode barbare, c'est pas grave. Voilà qui est fait. Donc là on a une méga zone. Alors vraiment quand on parle de méga zone, c'est vraiment le cas. Là on peut pas dire le contraire. Donc là j'ai fait toutes les bordures, on est juste, je contrôle, ouais, oh, ça va être monstre, regarde-moi ça, toute la résidence. Alors là, ça va faire une ville de 100 000 habitants juste ici, c'est une ville dans la ville. Et donc de ce côté-là, on va mettre notre petite zone commerciale tout simplement. Et du coup là, je peux faire ça en mode barbare, parce qu'en principe tout est zoné. Voilà, parfait, enfin, effectivement, ça fonctionne. Ah, parfait, regardez ça, une belle zone, bien comme il faut. On va pouvoir créer nos différents quartiers, donc on commence directement déjà par ce quartier-là. Le quartier commercial qui sera par ici, on essaie de faire ça le plus juste possible. Donc là, la vallée des rois, on aimera tout ça tout à l'heure. On a le quartier d'affaires qui est là au centre. On va faire ça juste là. Et puis tout le reste, ça va être que de la zone résidentielle totalement abusée, quoi. Ça va être monstrueusement énorme. Regardez-moi ça, la taille du truc. La taille du machin. Alors au niveau du nom, le premier, ça va être tout simplement Loïc. Bravo à toi, tu as ton petit quartier commercial juste ici. Tac, voilà. Commercial, pas du tout. Quartier de... Ton quartier, je vais y arriver, de bureau tout simplement. Donc on va baisser les impôts pour les bureaux, exactement. On va essayer de pousser tout ça le mieux possible. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait intéressant? Je ne crois pas. Tout ça en principe, c'est bon. Donc là, le premier quartier est fait. Ensuite, la zone commerciale juste là. Il y a Liumi, bravo à toi, tu as également ton petit quartier commercial juste là, absolument monstrueusement énorme. Je l'écris faux. Voilà, cette fois c'est fait. Donc on a dit, qu'est-ce qu'il fallait y mettre? Celui-ci, donc c'est du commercial. Donc forcément, bien fait dire des grosses entreprises, ça c'est clair et net. Et puis c'est tout le reste, peut-être pas. Ouais, vas-y, baisse des impôts, on est des fous. On baisse tous les impôts, on va vraiment aider ce quartier, il faut que ça pousse le plus vite possible. Et enfin, le méga quartier résidentiel, ça va être... Mr. Creep, bravo à toi, tu as ton petit quartier là, absolument monstrueusement énorme. Au niveau imposition, donc on va aider en baissant également les impôts pour les zones résidentielles de densité élevée, exactement ce qu'il me faut. Logement high-tech, c'est clair, est-ce qu'il faudrait autre chose? Non, ça me paraît pas mal là. Ça me paraît pas trop mal comme ça. On va laisser ça là. Voilà, donc les trois quartiers, ils sont juste gigantesques. Donc tout est bien zoné, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il faudra ensuite? Ah oui, effectivement, il va falloir plein de choses. C'est vrai qu'on n'a absolument rien ici. Bon, bah écoutez, on va tirer l'eau déjà. Voilà qui est fait, toujours aussi énormissime. Donc ça, au niveau de l'eau, c'est fait. Niveau électricité, on va connecter tout ça si possible. Tiens, par ici, ça pourrait être pas mal. Via le barrage, je me dis que ça pourrait être pratique. Au niveau connexion, on va voir comment on fait après, parce que ça risque d'être un petit peu galère. Vu la taille du truc, est-ce que passer? Ouais, juste là. Effectivement, il faudra voir comment on fait. Il va falloir comment on peut connecter tout ça. Parce que vu cette taille monstrueuse, on va déjà poser ça là. On verra ensuite. Mais par contre, niveau connexion, si on pourrait quand même faire d'autres connexions. Peut-être une connexion par là, par sécurité, parce que j'ai peur que ça parte en cacahuète. Ça se coup, je n'ai à casser quelque chose. Ça pourrait être un petit peu gênant, enfin. Du coup, j'ai complètement fait le tour. À part ici, ouais, vas-y. On m'invite le petit tour, ce qui arrive. Alors ça, c'est complètement encerclé par l'électricité, ce qui pourra aider comme ça à se développer comme il faut, qu'il se fera ensuite. Forcément, il faudra une zone un petit peu polluante, entre guillemets. Où est-ce qu'on pourrait placer ça? Limite via l'autoroute, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Qu'il puisse se connecter directement par là. Ouais, genre dans la zone là. On pourrait mettre ça par ici. Je pense que ça peut le faire.
Genre limite tu mets une petite roue toute simple, un truc comme ça, qui fait le tour par là, enfin, tac, on passerait ici. Après tu me fais un truc bien droit, histoire qu'on puisse mettre tout ce qu'on veut. Genre bien comme ça. Voilà, toute la zone. Après on verra ce qu'on y fait. Faudra juste connecter le tout, genre comme ça. Et là je pense qu'on est pas trop mal, donc on va mettre pour les poubelles, il va falloir un max de trucs. Allons mais les incinérateurs, on se prend pas la tête, sinon ça va être un peu trop compliqué. Vas-y, place-en-moi un max, parce qu'on va avoir besoin. J'ai aucune idée de la quantité qu'il faudra. Je pense que je vais déjà mettre ça. On verra plus tard. Peut-être pas trop non plus exagéré, pas que ça coûte trop cher non plus, parce qu'on est quand même à moins 15 000. Peut-être faire un peu gaffe à tout ça. Par contre, au niveau fric, ça va, on a pas trop de soucis. Donc, il va falloir construire tout ce qu'il faut. Waouh, la taille. Comment j'ai placé tout ça? Montre-moi les hôpitaux. Quelle zone ça couvre? A priori, pas des zones bien grandes. Effectivement, il faudra quand même pas mal de trucs. Parce qu'en plus, pour essayer à placer les trucs, quand c'est des grands bâtiments comme ça, c'est un peu chaud au fond. Ah genre tac, ah ici on va essayer de faire tout ça, enfin, le problème c'est que du coup ça disparaît après, bon au pire tu m'en mets un peu partout, on verra bien, enfin. Ah donc là niveau hôpitaux, c'est pas trop mal, niveau cimetière, on va mettre tout partout sur l'extérieur plutôt comme d'hab. Ah donc cimetière, crématorium, ça c'est fait, plus de soucis. Niveau pompier, est-ce qu'il faudra, il en faudra beaucoup ou pas? Ouais, t'as l'impression qu'on peut réussir à pas en mettre trop, enfin. Genre tac, tu m'en mets limite 3, je pense qu'on pourrait réussir à tout couvrir. On peut limite pratiquement tout couvrir, vas-y. Mais en moi 3, on verra plus tard. Police du coup serait certainement la même chose. Tu mets 3 commissariats, genre bien placés par ici. Et limite un petit en plus ici, parce qu'il y a un peu de peine, vu que c'est une zone où il y aura pas mal de commerce. Autant que ce soit bien sécurisé. École, on s'en fout, il n'y a pas besoin. Transport, on verra plus tard. C'est pas non plus hyper urgent. C'est vrai qu'il bon, y a beaucoup de monde, il faudra quand même s'en occuper. Mais ça, on verra plus tard. Du coup, on va mettre quelques parcs par-ci par-là, un peu de sport, ça fait du bien à tout le monde. Bon là franchement niveau parc on est pas trop mal, on verra s'il y a besoin de plus tard. Du coup s'il faudrait encore autre chose, est-ce qu'on pourrait mettre peut-être des statues, quelque chose qu'on n'a pas mis? Qu'est-ce qu'on a par ici? Amsterdam Palace, construit à l'origine pour servir d'hôtel de ville, mais sa décoration et son agencement fonctionnel ont attiré la royauté qui en a fait sa résidence permanente. D'accord. Du coup quel est l'intérêt? Je pense que c'est plus touristique, ça fait du bruit. Bon, on s'en fout, vas-y. Fais par ici, ça va avoir quelques petites décos, ça sera pas plus mal. Ouh le McDonald's ça te donne une de ces zones. Oh, ça fait du bruit, mais c'est pas grave, vas-y. Ah non, il existe déjà, effectivement, enfin, on ne peut pas le mettre. Il n'y en a qu'un seul, forcément, c'est bâtiment unique. Vas-y, tiens, un petit Ikea par ici. Truc totalement abusé. J'adore Ikea, juste là. Ah non, c'est aussi qu'une seule fois. Ah bah, je suis bête, forcément, enfin. Bah, je pensais que je pourrais en mettre plus d'Ikea, mais non, pas du tout, c'est bâtiment unique, donc on va laisser ça. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres choses qu'on a pu placer? Là, on a un petit hôtel, au pire, qu'est-ce qu'il m'apporte? On va y avoir 545 000... Ouais, bon, vas-y, mets-moi le petit hôtel qui sert pas à grand-chose ici, mais qui est stylé. Tu vois, au passage, si je pourrais essayer à mettre un stade de foot, je me dis que ça pourrait donner pas mal de trucs. Genre, placé par là, ce serait pas mal. Il fait du bruit, c'est pas grave, il y a une grosse zone de couverture. Allez, voilà, comme ça, on est bon. Enfin, un petit stade, ça fait toujours plaisir. Au niveau électricité, du coup, il faudrait que je reconnecte tout ça. Est-ce qu'il nous faudrait autre chose d'autre? Ah non, il est pas mal. Au niveau des bus, tout ça, on verra plus tard, parce que là, franchement, vu la taille du truc, ça va être un peu compliqué. Donc, on a plus qu'à reconnecter tout ça, on sera bien. Enfin, ah donc ça c'est fait, est-ce qu'il fera autre chose? Franchement je pense que c'est pas mal là. À mon avis on pourra lancer ça. Attends non, juste les connexions à l'autoroute. Et si on est connecté, c'est vrai qu'il faudrait faire plus de connexions en fait. Ça aurait pu être un bon plus du genre par là. Ouais effectivement on va faire ça vite fait. Et au pire on peut déjà lancer. Tac, allez vas-y lance-moi tout ça, accélère. Parce que ça il faudra quand même faire gaffe au niveau des stats là. Ouais, parce qu'on risque d'avoir manqué pas mal de trucs. Bon dans tous les cas là on va faire nos petites sorties. Juste ce qu'il faut, enfin. Oh, tu vois les camions poubelles qui partent à l'assaut. À l'attaque camion poubelle, faites vos travail. Du reste, attends, il manque de l'eau ici? Est-ce qu'il manque de l'eau? Effectivement, on n'est pas allé jusque-là. Bon, écoutez, ça va être vite corrigé. Et ce qu'il faudrait faire, c'est une sortie d'autoroute juste là, pour que les camions puissent venir, ça aurait été parfait. Fin. Voilà, c'est connecté, que c'est pour en directement passer par là, histoire d'aller envoyer ces poubelles par ici. Est-ce qu'il faudrait d'autres sorties, entrées par ici? Ouais, de ce côté, on n'a absolument rien, effectivement. On a absolument que dalle de ce côté. Peut-être sur le rond-point, ça aurait été pas mal ça. On est un petit peu loin, mais c'est faisable. C'est faisable. Ouais, c'est connecté, c'est un petit peu de bordel vu toutes les flèches, mais c'est valide. Est-ce qu'il faut autre chose? On a dit par ici. C'est vrai que ça peut être un plus, on est un petit peu éloigné. Bon, au pire, vas-y, tu me fais une petite connexion, ça fera pas de mal. Ouais, c'est fait, comme c'est pour directement se connecter à tout ça. Bah, écoutez, c'est pas mal. Par contre, effectivement, ça manque d'électricité, c'est clair et net. Du reste, au niveau commercial, vas-y. Est-ce qu'on... Non, on laisse comme ça, peut-être pas trop exagéré non plus. J'ai peur que ça parte en cacahuète. Il faudra faire par contre une gare, effectivement, pour qu'ils puissent livrer les marchandises. Limite une petite gare ici. Et en plus, on a le train juste là. Je pense que ça serait une bonne chose. Par contre, ça a l'air de plutôt bien prendre. Écoutez tout ça. On est nouveau en positif. Yes, les gens sont heureux. Tout se passe bien pour nous.
On n'a plus qu'à laisser avancer tout ça. Je pense que ça va le faire. Ici, ils se plaignent toujours autant. Mais c'était pas grave, ils n'ont qu'à mourir. Nous avons le futur ici, c'est l'important. Donc ce qu'on disait, une petite guerre, on va le faire tout de suite par sécurité, histoire de pas avoir trop de soucis. Parce que attends, cette ligne, elle est connectée par quoi? Elle est directement connectée ici. Il faudrait presque pouvoir connecter la ligne de train qui passe normalement par là. Elle passe où? Bonne question. Ligne de train, elle n'est pas ici? Ah oui, on est bien, donc la ligne de train ici. Effectivement, par contre, pour la faire venir, on va s'amuser. Ça risque d'être un petit peu galère, voyons voir ça. Enfin, ligne de train, montre-moi ça. Attends, est-ce que c'est bien une ligne de train? On est d'accord, le train passe par là, oui, exactement. Enfin. Ah, mais on l'a pas fait ressortir de l'autre côté. C'est pour ça que ça marche pas. J'ai pas l'impression qu'il fonctionne énormément. Enfin. Effectivement, on l'a pas fait repartir. Ce qui venait d'où le train? Oh là là, le bordel, il y a tellement de choses. Donc, attends, première chose à faire, c'est de faire demi-tour. Voir peut-être. Ouais, fait demi-tour déjà, ça serait pas mal. Tac, juste comme ça. Effectivement, là pour le coup, on avait fait un peu une grosse erreur. À la limite, on a fait. À la limite, si t'avais pu passer jusque-là, on a le train qui passe ouf. Là, on a le métro. Le problème, c'est qu'il faut réussir à trouver le train exactement. Le train, ah oui, il est là. Donc, dans l'absolu, si tu pouvais revenir jusque-là, oh, ça serait faisable. Ça serait carrément faisable. Tu passes en dessous, tu passes là tout le long. Ah, vas-y. On va suivre le long, tout bêtement. Et ça va le faire. J'ai confiance. Mais par contre, là. Question c'est pour réussir à passer ici, ça va être un petit peu problématique parce qu'en dessous, ouais, t'y arrives pas. Enfin, tu n'y arrives pas, donc il faudrait genre venir jusque là. Est-ce que tu peux passer par là? Oui, en moins 3 tu peux. Tu peux, ça m'arrange pas des masses, mais tu peux. Ah bah attends, on a le train qui est juste là en fait. T'as pu te connecter. Faut juste te connecter à ça du coup. Enfin, tac, tu te connectes, parfait. Enfin, voilà, enfin, c'est ce que je voulais. Enfin, ça m'arrange fortement. Enfin, par contre toi, enfin, est-ce que tu peux me faire une connexion par ici? Ouais, c'est valide. Comme ça, ils peuvent faire le tour. Ah, effectivement, on a fait une grosse connerie là au niveau du train. Du coup, j'espère que ça va améliorer un peu tout ça, parce qu'il y a beaucoup de circuits par là. Même beaucoup, beaucoup de circuits. Si ça pouvait améliorer la chose, ça serait parfait. Fin. Et à la limite, tu pourrais faire demi-tour. Ça m'arrangerait. Fin. Genre, tu ferais demi-tour pour revenir te connecter ici. Voilà. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Et toi, ici, jamais tu veux partir là-bas, tu peux également. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils puissent partir directement de l'autre côté. Fin. De l'autre côté, genre faire tout le tour par là, ça fait loin quoi, c'est super loin. C'est vrai qu'au niveau gare, au pire, tant pis, hein. Parce que c'est vrai que ça fait un peu loin. Ah bon, on a le train là, je suis bête quand même, il y a quand même le train qui est ici. Donc dans l'absolu, on pourrait faire, ouais, vas-y, on va le faire. Soyons fous. Genre tu pars en sous-sol, tu pars en sous-sol, enfin, carrément en moins 3 même. Allez tac, tu pars en moins 3 et tu vas faire tout le tour. Tu peux limite rester par ici, et puis tu fais le tour. Voilà, parfait. Fin. Tu contournes tout ça. Attends, elle est où la zone? On doit attaquer, la zone est par ici. Genre, tu contournes ça. Voilà. T'auras plus qu'à être connecté tranquillement. Est-ce que tu y arrives par contre? C'est la grande question. Oui, tu y arrives. Bah, parfait. Regardez ça. Ça, du coup, il faut que tu puisses aller quand même ici. Voilà. Et là, ça m'a l'air pas trop mal. Ici, ils peuvent tourner. Ok. Bon, c'est un peu à l'arrache, mais c'est juste. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être un contournement. Vas-y, genre comme ça. Histoire d'éviter la gare au cas où. Voilà, parfait. Donc là, comme ça, ils peuvent directement se connecter ici. Bah c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup on pourra faire notre petite gare juste là, enfin exactement juste ici, ça va être parfait. Vas-y la petite gare. Et pendant ce temps là, la population est en train de remonter. Yeah, c'est bon ça. Je pourrais presque, ah non, baisser les impôts c'est chose, que je gagne quand même pas tellement d'argent là, je suis un peu juste. Donc on va éviter par contre une petite guerre de marchandises, bien placée juste là. Je pense que ça peut le faire. Théoriquement, est-ce qu'on lui fait une route spéciale? Peut-être lui faire une route spéciale quand même. Histoire d'éviter les problèmes, quoique non, même pas forcément enfin. Vas-y, tu n'as pas trop de circule. Vas-y, tu me poses ça là. Boum. Voilà, parfait. Je te remercie. Attends, niveau électricité, est-ce qu'on a tout pété? On a un petit peu tout cassé, mais c'est pas grave. Voilà, juste connecté au cas où. Et comme ça, on est bon. Ce qu'il nous faudrait, hein, c'est forcément connecter la ligne. Et on sera parfait. Hein. Je vois plus grand-chose, par contre, là. Écoutez, on ne voit rien, mais c'est bien connecté. Je vous promets. Ah, voilà, dès que ça, on peut le voir. Effectivement, donc là, c'est connecté. Il passe ici. Non, ça me paraît bon. Ça me paraît pas trop mal. Ça marche. Mais théoriquement, c'est censé être le cas. Enfin, est-ce que ça se développe tout ça? Enfin, est-ce que ça se développe? Oh oui. Bon, c'est des petits bâtiments. Mais ça va prendre, j'ai confiance. Là, on remonte 321 000. Je pense qu'on a réussi à battre la mort. La mort a été battue. Par contre, faire vraiment gaffe au niveau eau, tout ça. Effectivement, on commence à être juste. On commence à être plutôt juste. Si tu peux mettre des petites centrales de traitement d'eau. Enfin, parce que là. Waouh, tu le bordel par ici. Attends, centrale de traitement de l'eau, on a mis ici. Est-ce que je pourrais en mettre un peu plus? Non, on est un peu juste là pour le coup. Fin. On est carrément juste, éventuellement ici, mais ouais, c'est un peu chaud. Il faudrait que je mette ça, mais c'est pas très rentable quoi, parce qu'il faut en mettre tellement. Au sens, c'est qu'il n'y a pas de pollution. Regarde, il n'y a pas de pollution de toute manière. Donc au pire, tu pourrais ça en mettre où tu peux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de place. J'ai vraiment pas trop de place.
Bah, j'ai connecté, on va voir si ça fait remonte. Bah, ça remonte relativement peu, mais ça sera suffisant. Voilà, ça commence à galérer l'ordi. Il commence à avoir un petit peu de peine, le pauvre. Le problème, c'est que ça prend de la place, quoi. Et j'ai plus trop de place pour les mettre là sur le bord. Il faudrait les mettre plutôt de l'autre côté, autrement. Mais j'ai peur que ça pollue. Normalement, c'est pas censé être le cas, mais bon. On verra. Autrement, le reste a l'air plutôt bien. L'électricité, par contre, commence à être un petit peu juste. Ah, tiens, odeur. Au niveau du budget, est-ce qu'on n'est pas baissé? Je suis en train de me dire, niveau haut, effectivement, on est baissé. L'électricité également, mais bon, ça, y a pas trop de soucis. Je peux monter un petit peu au pire. Vas-y, fais-le moi monter à 60%. Comme ça, on devrait être bon, fond. Bon, bah écoutez, je vais essayer de tourner un petit peu le jeu, histoire de voir ce qui se passe, je veux dire. Ils ont réussi à monter un peu tout ça, fin. Ah tiens, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas mis de parc dans la zone industrielle, effectivement. On a fait ce petit souci. Bah vas-y, je te mets des petites cordes de basket, les types peuvent vite faire un petit basket. Entre deux fabrications, enfin à l'usine. Voilà, ça, ils sont un peu plus contents. Ils sont censés être un petit peu plus contents avec tout ça. Je l'espère en tout cas, toujours pas. Alors, quand même les gars, allez. Ah bon, allez. Dernier, est-ce que c'est suffisant? On n'y est pas loin. On n'est pas loin. Ils ont presque réussi à faire monter un peu la qualité des usines qui sont par là. Parfait. Du coup, ce que j'ai regardé un petit peu au niveau des parcs, s'il manquait des trucs, on est pas si mal, franchement. Ah, tiens, juste ici. Ils ont pas l'air très contents non plus. Allez, tiens, prends ça. Je te remercie. Je suis en train de me dire que pour essayer de développer cette zone, on pourrait peut-être partir quand même sur quelques transports. Mais bon, c'est que c'est tellement grand, ça me désespère rien que de penser à faire. Ça me désespère totalement. Mais bon, on pourrait quand même peut-être placer 2-3 petits trucs, genre des bus, tiens. Tiens, passage, tu mets 2 dépôts de bus ici, histoire de soutenir un peu tout ça. Et même 3. On est des fous. On est des malades. Bon, j'ai mis quelques lignes de bus par-ci par-là. Il manque plein de lignes de bus pour vraiment faire les choses bien. Bon, on a au moins une petite base, histoire que ça monte un peu la valeur de la zone. Parce que c'est vrai que ça compte, effectivement. C'est-à-dire, si on regarde un petit peu, ils en sont ouf. Qu'est-ce qui leur manque? Crime. Ah, il y a un petit peu de crime quand même. Il y a les autres universités, écoles, ça c'est bon. Police, fire. Ah, il manque. Bon, transport, ça manque clairement. Étonnamment, ça manque quand même pas mal au niveau du feu, de la police, tout ça. Je pensais pas. Parce que si on regarde d'ailleurs, ils ont passé une marchandise à vendre. Parce que si on regarde du coup, par exemple, au centre-ville. Ah, effectivement, police, ils sont quand même manquants, enfin. Ils ont l'air de. Si j'en mettais un petit peu plus, je pense que ça pourrait. De toute façon, ils sont déjà à niveau maximum, en fait. Niveau valeur, ils sont déjà de toute façon au niveau 5. En fait, non, ça sert à rien, enfin. Ah, quoique, non. Il y a plein de zones, effectivement, qui sont quand même bien manquantes. Bon, bah écoutez, si vous voulez un peu plus de service, pas de soucis, on va mettre quelques-uns par-ci par-là. Histoire de les aider un petit peu, fin. Genre tu mets quelques petites des petits hôpitaux par-ci par-là, comme tu peux. Hôpitaux ça, c'est fait. Pompiers, apparemment ils sont pas contents. Ah puis ils ont raison de pas être contents en même temps. Bah niveau service, je fais monter tout ça. Et là je pense franchement, il y a tout ce qu'il faut pour un bon développement. Là, si on regarde, ouais, ça commence à prendre. Ça commence à prendre petit à petit. On a 355 000 habitants, mais écoutez, on a officiellement réussi à battre la mort. Et ça, je suis plutôt content. Statistique de la ville. Influence, ouais, ça commence à remonter, parfait. On a réussi à remonter. Natalité. Wow, le pic de natalité, c'est bien ça. Les gens font crac crac, parfait. Immortalité. Ça commence à redescendre petit à petit. On va réussir à modifier un peu tout ça. Bon, forcément, dans 5 ans, ils se retrouvent avec un nouveau pic. Mais ce n'est pas grave. Au moins, on aura battu la mort temporairement. Et ça, je suis content, les amis. Et montre-moi un beau petit print screen de cette nouvelle ville. Ah, c'est une ville dans la ville, là. C'est juste monstrueusement énormissime. Bah, parfait, tout ça, les amis. Du coup, on va se laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à laisser un petit pouce bleu. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao!